la mort et la résurrection de Christ. Chers frères, chères sœurs, chers amis en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne écoute au message de ce dimanche. Message qui a pour titre « La mort et la résurrection de Christ ». Nous verrons comment ces deux événements qui concernent Jésus-Christ sont deux actes de Dieu en personne, deux actes que seul Dieu pouvait accomplir pour notre pardon et pour nous accorder le don de la vie éternelle. Auparavant, je voudrais faire une petite annonce à l'intention de celles et ceux qui ne seraient pas au courant. Sous le titre de la vidéo sur votre smartphone ou laptop, vous pourrez taper sur « mort ». Vous avez des pointillés et puis ça « mort », M-O-R-E. Vous verrez alors dans la fenêtre qui s'ouvre trois rubriques. Une description du message, deuxièmement « featured playlist » et troisièmement « transcript ». Tapez ou cliquez sur « Show Transcript » et vous pourrez voir se défiler le texte du message audio en même temps. Attention, l'intelligence artificielle sautera des mots, ratera certains noms bibliques et ne va pas respecter toujours les accords de grammaire. Mais c'est utile. Notre texte se trouve au chapitre 2 de la lettre aux Colossiens. Nous lirons les versets 11 à 15. Un mot sur le contexte général de la lettre aux Colossiens. La congrégation avait reçu l'Évangile suite à la prédication d'Épaphras, le compagnon de service de Paul. Toutefois, de faux enseignants s'étaient infiltrés dans leur milieu pour répandre des hérésies. Dans sa lettre, l'apôtre Paul leur parle de la prééminence de Jésus en toutes choses. Il leur donne des enseignements pour qu'ils demeurent fondés et inébranlables dans la foi en Jésus et qu'ils soient enrichis d'une pleine connaissance pour connaître Christ et marcher d'une manière digne de leur Seigneur. Puisque les croyants sont enracinés en Christ, que leur vie est cachée en lui, qu'ils ont tout pleinement en lui, il est impossible de vivre sans lui. L'apôtre y expose et démolit tous les faux enseignements et il donne aux fidèles des conseils pratiques pour diriger leur vie, le regard fixé sur Christ. Je vous donne maintenant la lecture de Colossiens 2, 11 à 15 à partir de la version Louis II. C'est en lui, c'est-à-dire Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En lui faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voici les sept points qui seront abordés. Ils sont tous tirés de notre lecture qui, je vous le rappelle, est un texte très chargé, très dense et très riche en enseignements. Les sept points suivent le flux du texte. D'ailleurs, ils sont affichés sur votre écran. Premièrement, la circoncision en Christ. Deuxièmement, l'ensevelissement en Christ par le baptême. Troisièmement, la résurrection en Christ par la foi. Quatrièmement, la mort à cause de nos offenses. Cinquièmement, la nouvelle vie de Christ ressuscité des morts. Sixièmement, la destruction de l'acte de notre condamnation. Enfin, le triomphe en Christ. En même temps, à l'écran, dans l'image, vous pouvez aussi voir comment les nuages de la croix ont été chassés et dissipés par la lumière de la résurrection. Je vous donne le résumé du message. Par la foi en la mort de Jésus-Christ sur la croix, ainsi qu'en sa résurrection d'entre les morts par la toute-puissance de Dieu, Dieu a déjà implanté en nous, par le Saint-Esprit, la nouvelle vie du Christ ressuscité. Par la mort de Christ, Dieu a annulé la liste des accusations retenues contre nous à cause de nos péchés.
Dieu nous a pardonné lui-même et il nous a déclarés justes et saints en Christ parce que notre vieille nature pécheresse a été coupée et jugée à la croix. Nous sommes maintenant en Christ ressuscité à cause de notre immersion spirituelle et de notre identification en lui par la foi. Nous passons au premier point, la circoncision en Christ, le verset 11. Et c'est en lui, Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Pour rappel, le rite de la circoncision fut ordonné par Dieu à Abraham. Nous pouvons lire cela en Genèse 17, 9 et 10. En effet, Dieu avait dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. » Remarquez deux choses dans cette alliance. Premièrement, elle s'applique à Abraham et ses descendants. Deuxièmement, elle est une marque dans le corps physique. Mon alliance sera dans votre chair. Or, à la lumière du verset 11 de notre texte, nous voyons que ce qui était une marque physique, une intervention chirurgicale au moment où Dieu l'avait ordonné, une coupe partielle, la coupe d'un bout de chair chez les hommes, eh bien, cette alliance est maintenant, par la foi en Jésus, une marque de séparation spirituelle complète, une ablation invisible mais réelle, une ablation, pour employer une métaphore, une ablation de la nature du péché chez tous, chez les croyants hommes comme chez les femmes, une séparation du péché qui est le résultat de la foi agissante dont l'objet est Christ. Par ailleurs, la circoncision décrite dans ce verset n'est pas une marque laissée dans le corps d'un homme par la main de l'homme, mais elle est une identification spirituelle en Christ. Une identification qui consiste en le retranchement, en la séparation d'avec la nature du péché dans le cœur des croyants qui ont placé leur confiance en Christ. Cette séparation est capitale en ce qui concerne notre appartenance réelle à Christ. En clair, la circoncision spirituelle en Christ est une coupure nette d'avec la nature du péché, évoquée ici par la coupe de ce petit bout de chair et de son rejet définitif. La circoncision spirituelle en Christ est le refus de toute soumission à la domination du péché par la puissance de l'Esprit de Christ qui dorénavant habite dans le cœur du croyant. C'est l'obéissance volontaire à Christ. D'ailleurs, même l'Ancien Testament reconnaît qu'il existe deux types de circoncision, celle du corps et celle du cœur. En Deutéronome 10, 16, nous lisons « Vous circoncirez donc votre cœur ». Et en Deutéronome 36, nous lisons « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Enfin, l'expression « être circoncis de la circoncision de Christ » ne concerne aucunement la circoncision de Jésus en tant que juif. Elle est expliquée par le dépouillement du corps de la chair, le dépouillement du péché, c'est-à-dire le débarras définitif de la nature pécheresse de l'homme, débarras effectué par Christ par sa mort au péché à la croix. La crucifixion de Jésus est en fait la réalité que le péché a été ôté. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », avait révélé Jean-Baptiste. Et le mot grec pour « ôter » désigne à la fois se dévêtir, le déshabillage et le rejet. L'image est celle de rejeter ou d'être dépouillé d'un vêtement sale. Nous passons au deuxième et troisième point. Le deuxième point, l'ensevelissement en Christ par le baptême et la résurrection en Christ par la foi. Au verset 12, nous lisons «
ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Chers amis, vous allez voir une expression qui revient presque dans tous ces versets, en lui, c'est-à-dire en Christ. Et cela ne nous surprend pas, car tout repose sur Christ en ce qui concerne notre foi. D'ailleurs, dans les versets 9 et 10 de ce chapitre 2 de Colossiens, le contexte nous donne d'une part la description la plus complète de la nature de Christ, Christ, homme-Dieu. Au verset 9, il est révélé « Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » D'autre part, au verset 10, concernant les croyants qui ont placé leur foi en Christ, il leur est révélé Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Toute la plénitude de Dieu réside dans le corps humain de Jésus. C'est-à-dire que Jésus est l'incarnation même de toute la divinité. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure, ce n'est pas une image, mais la réalité même. L'apôtre Paul déclare que dans le Fils réside toute la plénitude de la divinité absolue. Ce n'était pas de simples rayons de la gloire divine qui le dorait, illuminant sa personne pour un temps et avec une splendeur qui n'était pas la sienne. Mais il est Dieu, Dieu absolu et parfait. Et l'apôtre utilise le mot « théotès » pour exprimer cette divinité essentielle et personnelle du Fils. Maintenant, pour revenir au verset 12, le baptême d'eau est présenté comme une figure de notre mort et de notre résurrection en Christ et avec Christ. Vous savez, le baptême n'est pas simplement un acte ou un rite religieux en public pour témoigner de notre conversion à Christ. Mais le baptême est une représentation de la plus grande des réalités spirituelles, c'est-à-dire de notre union avec Christ par l'Esprit et par la foi. Ce baptême n'a absolument rien à faire avec la présentation des nourrissons ou des bébés sur le front desquels des gouttes d'eau sont aspergées. Comme vous le savez, baptême vient de la famille de mots liés au mot baptizo du Nouveau Testament qui veut dire immerger. Par exemple, Jésus a été immergé dans le Jourdain quand il s'est présenté à Jean-Baptiste. Le texte dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau ». Eh bien, pour sortir de l'eau, il fallait que, premièrement, Jésus y fût entré. En plus, Jésus avait la trentaine, donc il était adulte. Même s'il était sans péché, Jésus s'est soumis à l'immersion dans le Jourdain, malgré les protestations de Jean-Baptiste qui, la veille, avait révélé Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Même chose pour l'apôtre Paul. Nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 9 qu'après sa vision de Jésus sur le chemin de Damas, Saul de Tarse resta 3 jours sans voir. Quand Ananias est allé à sa rencontre sur l'ordre du Seigneur, l'évangéliste Luc écrit « Au même instant, il tomba de ses yeux, c'est-à-dire des yeux de Saul, comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. » C'est le même mot « baptizo » qui est employé. Comme Jésus, Saul était un adulte au moment de son baptême, et il fut immergé dans l'eau par Ananias. Une remarque, Jésus n'avait pas besoin de prendre le baptême de repentance. Il voulait donner l'exemple. Par ailleurs, c'est au moment de son baptême que nous avons reçu le témoignage de l'Esprit de Dieu et que la voix de Dieu s'est fait entendre à l'effet que Jésus est le Fils bien-aimé en qui Dieu a mis toute son affection. Chers amis, nous avons donné 2 exemples pour mieux faire comprendre la signification de « enseveli avec lui par le baptême ». Premièrement, comme le mot baptême implique une immersion complète, ce verset 12 nous enseigne que tout croyant doit avoir été spirituellement immergé, je dis bien spirituellement immergé dans la mort de Christ au péché. Deuxièmement, cette immersion est bien spirituelle et par la foi, et non seulement un acte d'obéissance à l'ordre de Christ. Troisièmement, cette immersion est notre mort, cette immersion est notre ensevelissement avec Christ qui a donné sa vie et qui a été crucifié pour nos péchés. Quatrièmement, ce baptême, comme la circoncision en Christ, n'est pas fait par la main de l'homme, pasteur ou autre. Cinquièmement, ce baptême, par la foi, est nécessaire. Il est nécessaire pour la bonne raison que le péché nous mène à notre mort. Ce baptême comporte l'obligation et la nécessité de mourir au péché.
Ce baptême scelle notre mort. Il est donc important de savoir à quel moment nous subissons la mort qui est la punition pour nos péchés. Ce moment, c'est le moment où, sous la conviction du Saint-Esprit, nous nous repentons de nos péchés et nous croyons que Jésus-Christ a effectivement, par amour pour nous, pris notre punition sur la croix. Christ est notre substitut. La mort propitiatoire de Christ est une vérité essentielle à notre foi. Chers amis, si nous ne sommes pas morts avec Christ et en Christ par la foi, nous sommes toujours dans le péché. La vie éternelle commence ici-bas par la foi. Il nous faut déjà être sûr que nous la possédons par la foi. Maintenant, nous comprenons mieux le sens de ce verset 12 qui nous dit « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité les morts. » Cette vérité est renforcée à la lumière de la révélation en Galates 3:7. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ce verset confirme l'acte de l'immersion spirituelle par le Saint-Esprit en Jésus. En effet, gloire à Dieu que, puisque nous avons été ensevelis avec Christ par la foi, nous sommes identifiés à sa mort par la foi. Par cette acceptation et cette identification à Christ, Dieu nous a aussi ressuscités en Christ et avec Christ en puissance, déjà à cause de notre foi. La même puissance que Dieu a déployée pour ramener Jésus à la vie, Dieu va la déployer pour notre résurrection lors du retour de Jésus, quand tous ceux qui appartiennent à Christ auront un corps de résurrection. La résurrection est un acte accompli par Dieu qui est tout-puissant. La résurrection de Jésus d'entre les morts est notre garantie que Dieu va nous ramener à la vie à cause de notre foi en Jésus. Comme nous suivons le flux de notre texte, nous avons couvert le point de la résurrection. Nous passons maintenant au quatrième point, la mort à cause de nos offenses. Le verset 13. Vous qui étiez morts pour vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en lui faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous allons remplacer les pronoms. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a rendu à la vie avec Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ce verset reprend le fait de notre mort spirituelle à cause de nos péchés d'une part. D'autre part, il nous rappelle que la mort spirituelle n'est autre que la fin de la nature du péché qui a été retranchée par la circoncision de Christ au verset 11. Chers amis, par la foi en Christ, nous recevons la nouvelle vie. Nous naissons de nouveau, nous renaissons d'en haut, nous renaissons par le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que le verset 13 établit le fait accompli par Dieu lui-même et qui dit clairement qu'il nous a rendus à la vie avec Christ par sa grâce. Cet acte de Dieu est un passé composé, donc il a déjà été réalisé. L'expression « a rendu à la vie avec » est un seul mot. Le mot c'est « sun exo poiesen ».« Sun exo poiesen ».« Sun » veut dire « avec »,« exo » veut dire « revivre », »,« poieo » veut dire « faire ».« Sun exo poiesen ». Donc Dieu nous a fait revivre en Christ et avec Christ. Vous allez remarquer que tous les verbes principaux dans les versets 12 à 15 sont au passé et que le sujet est Dieu. Cela à partir de « qui l'a ressuscité des morts » à la fin du verset 12. Et nous passons au cinquième point, la nouvelle vie de Christ ressuscité des morts, toujours au verset 13. Comme Christ est mort pour nos péchés et que sa mort a pleinement satisfait les exigences de la sainteté divine, Dieu a ressuscité Christ, selon les Écritures, 3 jours après sa crucifixion. Pour les croyants en Christ, la résurrection a lieu immédiatement au moment où ils reçoivent Christ dans leur cœur comme leur sauveur et seigneur de leur vie. Il n'y a pas de délai entre la vraie repentance dirigée par le Saint-Esprit et la nouvelle naissance. La grâce divine est efficace et elle est active dans le cœur du croyant. Écoutons ce que l'apôtre Jean écrit. « À tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
enfants qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Chers amis, cette nouvelle vie est vitale, sans jeu de mots, car elle nous fait entrer dans la famille spirituelle de Dieu. Nous abordons le sixième point, la destruction de l'acte de notre condamnation. Nous allons lire le verset 14. « Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et Dieu l'a détruit en le clouant à la croix. » Je vous disais au début du message, nous verrons comment ces deux événements, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus, sont deux actes de Dieu en personne. Deux actes que seul Dieu pouvait accomplir pour notre pardon et pour nous accorder le don de la vie éternelle. Nous avons déjà couvert la résurrection sur les points 3 et 5. Nous allons maintenant nous concentrer sur la crucifixion de Jésus. Dans les récits des évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, le rôle de la foule, le rôle de Pilate et des soldats romains dans la crucifixion est clair. Mais la douleur du Père, la douleur du Saint-Esprit et du Christ précédant la crucifixion ne saurait être minimisée. Les évangélistes décrivent dans la mesure du possible l'angoisse et l'agonie de Jésus en son âme dans le jardin de Gethsémané. Les évangélistes relatent la douleur indicible de Jésus et de ses supplications au Père pour que la coupe s'éloigne sans qu'il la boive. La violence, la haine et l'atrocité de la crucifixion sont sans précédent. En même temps, nous savons que Jésus, en vue de la gloire qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Et 700 ans avant la crucifixion, le prophète Ésaïe écrivait « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Nous ne pouvons éviter de poser la question. Qui a cloué Jésus fait péché à la croix? Qui a cloué Jésus devenu notre malédiction à la croix? La réponse se trouve dans ce verset 14. Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et Dieu l'a détruit en le clouant à la croix. Ce texte nous dit que c'est Dieu qui l'a cloué à la croix. Tout comme dans 2 Corinthiens 5, 21, il est écrit que Dieu a fait Christ péché pour nous, afin qu'en Christ, nous devenions justice de Dieu. Chers amis, j'avoue que ce verset 14 demandera beaucoup d'attention, tant pour son explication que pour notre compréhension. Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et Dieu l'a détruit en le clouant à la croix. De quel acte s'agit-il? Le verset nous dit clairement que c'est un chérographone, c'est-à-dire une écriture à la main avec ses décrets contraires, des décrets en opposition à nous, c'est-à-dire des décrets qui ne sont pas conformes à notre nature de péché. Un chérographone est aussi un engagement, un contrat, une obligation légale qui lie deux parties. Par extension, ce chérographone s'apparente à ce que nous appelons une reconnaissance de dette. En d'autres mots, la liste de nos dettes envers Dieu, liste que Dieu a effacée par le sang de Jésus. Ce verset 14 est, à mon humble avis, une interprétation de l'Ancien Testament, d'autant plus qu'il fait allusion au chérographone, à cette écriture à la main. Ainsi, je crois personnellement que le verset renvoie directement au commandement écrit par le doigt de Dieu à Sinaï. Par exemple, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tablettes du témoignage, tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. Encore, l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Dans les deux cas, nous voyons que les tables étaient écrites du doigt de Dieu. Il faut bien comprendre ce point. Aucun homme n'a pu obéir à ses commandements, sauf Jésus-Christ, l'homme parfait. Bien sûr, tous ses commandements sont bons et le seront toujours.
Mais pécheurs que nous sommes incapables de les observer à la satisfaction de Dieu. C'est pour cette raison que le texte dit qu'ils sont contraires à notre nature. Or, puisque Jésus les a tous respectés à la perfection pour nous, Dieu, dans sa justice, ne pouvait plus retenir contre nous nos violations répétées des commandements. Ainsi, Dieu l'a effacé, Dieu l'a enlevé, Dieu l'a mis de côté, Dieu l'a détruit hors de sa vue, Dieu l'a retiré hors de notre chemin. Non seulement Dieu l'a enlevé de notre chemin, mais Dieu l'a lui-même cloué à la croix en Jésus devenu malédiction pour nous. Jésus sur qui Dieu a placé la dette de tous nos péchés. Dieu l'a cloué à la croix. Dieu a épinglé dans une filière ce chérographone comme on traitait anciennement les dettes réglées. Par cet acte, Dieu nous a délivrés de toute dette. Dieu nous a délivrés de toute condamnation. Condamnation que Dieu a imputée à Christ. Condamnation que Dieu a mis au compte de Christ. En bref, ce chérographone est l'acte de notre condamnation qui énumère la liste de nos violations de la sainteté de Dieu. Il a été rédigé par la main de Dieu. En plus, il a été exécuté dans toute sa rigueur contre Christ, notre Sauveur. Ainsi, une fois nos dettes réglées, nous avons reçu la grâce. Dieu nous impute en échange la justice de Christ, le pardon immérité par la foi en Christ. Un commentateur a dit, on pourrait même dire que Dieu a pris ce document, les ordonnances et tout, et l'a cloué à la croix comme un acte de défi, triomphant face à ces puissances qui détenaient les hommes et les femmes afin de commander leur allégeance. Ce verset 14 confirme ce qui est enseigné dans l'accomplissement de la loi par la mort de Jésus en Éphésiens 2:15. Et je cite, « Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. » La sainteté de Jésus dont nous revêt Dieu est pleinement suffisante pour que Dieu nous déclare juste, puisque dans son cœur, Jésus a accompli la loi et tous les commandements. Nous vivons dans la réalité que nous sommes morts et que notre vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Nous vivons par la foi dans le respect et dans la crainte de la sainteté de Dieu. Christ a pris la charge de respecter les commandements à notre place. Nous sommes par la foi déchargés de toute condamnation. Gloire à Dieu. Voilà la signification de ce verset dans le cadre de notre relation spirituelle personnelle avec Dieu par la foi en Christ. Nous abordons le dernier point. Le triomphe en Christ. Nous lisons le verset 15. Dieu a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dieu demeure le sujet de toutes les actions dans ce verset. Par la crucifixion de Christ, Dieu a désarmé, Dieu a rendu impuissants les puissances spirituelles méchantes, les dominations et les autorités. Sous la protection du sang de Jésus, le malin ne peut rien contre notre âme. Nous sommes en sécurité. Mon argument est que la fin de ce verset 15 doit se lire en triomphant d'elle en lui, c'est-à-dire en Christ. En lui est préférable à par la croix pour deux raisons. Premièrement, dans tous les versets, en lui et en Christ sont répétés. Donc, pourquoi changer en auto subitement dans le dernier verset? Deuxièmement, la préposition en se traduit par en et non par. Il est vrai que ce pronom masculin, auto, peut se référer à la croix, qui est un nom neutre en grec. Il peut se référer à la croix donc comme à Christ. Mais du point théologique et selon le flux logique du texte, mon argument est en faveur de « en lui », c'est-à-dire « en Christ ». Chers amis, notre salut et notre victoire, ce n'est pas la croix comme pur instrument de torture, mais notre victoire sur le mal et notre salut sont Christ, notre Sauveur et Seigneur. Ce verset 15 est comme la fin d'un opéra. Dieu a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles en Christ. Dieu a fait subir aux dominations et aux autorités démoniaques leur disgrâce en public. En effet, la crucifixion a eu lieu à la vue de tous les passants et le participe triomphant
évoque la procession triomphale du général romain qui, l'ennemi vaincu marchant à sa suite, fait son entrée comme conquérant à Rome sous les acclamations de la foule. Dans cette image, Dieu est le général conquérant. Les pouvoirs et les autorités sont l'ennemi vaincu, présenté comme butin devant l'univers entier. C'est ce qu'a dit le commentateur Vaughan. C'est le même verbe triompher qui est employé dans 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ce verset parle du dépouillement des puissances démoniaques. Il nous renvoie au verset 12 du chapitre 11 de Luc, où Jésus annonce comment le diable est vaincu. Si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Dieu a en effet dépouillé le diable par la mort expiatoire de Jésus. Ce verset confirme aussi Jean 12, 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Nous passons à la conclusion. Notre texte de Colossiens 2, 11 à 15 nous a démontré comment la mort et la résurrection de Christ s'appliquent à nous pour tous les bienfaits qui en découlent, parce que Dieu lui-même s'est porté garant de leur occurrence, de leur réalisation, afin que par la foi en Christ, nous recevions le pardon, la sainteté de Jésus, le don du Saint-Esprit, la vie éternelle et l'assurance de la résurrection. Je vous relis le texte dans une version plus directe, car vous avez été ensevelis avec Christ lorsque vous avez été baptisés. Et avec lui, vous avez été ressuscité pour une nouvelle vie, parce que vous avez fait confiance à la puissance puissante de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Vous étiez morts à cause de vos péchés et parce que votre nature pécheresse n'était pas encore retranchée. Alors Dieu vous a fait revivre avec Christ, car il a pardonné tous vos péchés. Il a annulé l'acte des accusations portées contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. De cette manière, il a désarmé les dominations spirituelles et les autorités. Il les a humiliées publiquement par la victoire sur elles en Christ. Je vous invite à prier. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ta parole qui nous édifie chaque jour dans la foi en Jésus. Nous te prions pour que nous aussi, nous demeurons fermes et inébranlables, vivant notre vie de manière à être agréable à Jésus, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et en croissant par la connaissance de Christ. Seigneur, prépare notre cœur, donne-nous ta sagesse et tiens-nous prêts pour que nous continuions à partager la bonne nouvelle de la vie éternelle par la foi en Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Chers amis, si vous souhaitez des éclaircissements sur ce message, veuillez nous appeler sur le +230 5251 4952. +230 5251 4952 ou inscrivez vos commentaires sous la vidéo. Vous pouvez certainement partager le message avec d'autres proches, des amis, des collègues et autres contacts. Par ailleurs, en sus de l'annonce au début, si vous voulez le texte intégral en format PDF pour une étude biblique, veuillez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Que le Saint-Esprit nous aide à saisir et à appliquer toute la révélation contenue dans le texte que nous venons d'étudier pour notre édification. Demeurons sous la protection du sang de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Merci de votre attention. À bientôt.